بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. N'oublie pas, s'il te plaît, de faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis alhamdulillah, dis alhamdulillah. La in shakartum la azidannakum. Si vous faites les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous rajoutera. C'est un verset de Sourate Ibrahim. Wa la in kafartum, in azabi la shadid. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oublie pas, s'il te plaît, de faire salat wa salam ala habibina Muhammad. Concentre-toi avec moi, Allah yajazik. Prends Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et rappelle-toi toujours de lui et dis sallallahu alayhi wa sallam avec ton cerveau, ton cœur et ta langue. Et quand tu entends son nom, dis sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dua de Moussa. Moussa, c'est notre grand prophète. Il a été envoyé à un peuple, il n'a pas été envoyé à l'humanité entière. Moussa a été envoyé aux juifs, mais nous les musulmans, on ne croit pas si on ne croit pas aux autres prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa est un grand prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'aimons, nous croyons en lui et notre religion est la continuité de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire tawhid total, monothéisme, unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons très attention, tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont fait que rappeler qu'il y a un seul Dieu, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est derrière toute la création, qui a créé le monde et qui pour sa chasse, dans le cas de sa sagesse ultime, et on ne va pas lui dire pourquoi, attention, il a décidé de nous créer, et ce qu'il nous demande, c'est de l'adorer, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et de se rappeler de lui. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, engagement de paix, de miséricorde, et engagement de toutes les choses bien, comme à chaque fois je vous le rappelle, ce n'est pas rien de dire salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Sachez que nous sommes là pour vous montrer le trésor qui vous a été envoyé, qui a été envoyé à tous les peuples et ce n'est pas l'apanage des Arabes. L'islam n'a pas été envoyé aux Arabes, l'islam a été envoyé à toute l'humanité. Rappelez-vous de ça et commencez s'il vous plaît à lancer vos recherches. Sans transition à la PPDA, on va commencer ce message. Assalamu alaikum. Dis ma soeur, wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est mieux, plus de hasanat. Tu gagnes plus de hasanat. Donc moi je dis, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle dit, je suis d'origine française, convertie à l'islam, alhamdulillah. Et je suis mariée avec un homme d'origine arabe, musulman. Nous avons un enfant en bas âge. Et tout va bien pour le moment, alhamdoulillah. Masha'Allah, ma soeur, alhamdoulillah. Toujours alhamdoulillah. Mais voilà, sur Facebook, mais je rajoute, c'est partout, c'est pas que sur Facebook. Il y a des personnes, soi-disant musulmanes, qui se permettent de dire que le métissage n'est pas quelque chose de bien, que ça détruit des cultures et que les enfants qui viendront à naître de cette union ne seront que des enfants de divorcés et qu'ils seront perdus. Moi, personnellement, je fais tout pour que mon fils soit un bon musulman, ce qui est le plus important à mes yeux. J'aimerais savoir ce que tu penses des paroles de ces soi-disant musulmans. Merci de me répondre. Barakallahu fik. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, mes frères et sœurs musulmans ou musulmanes, réveillons-nous. C'est vrai, beaucoup de racisme. J'ai même fait un article autour de ça, quelques articles autour de ça. Et ce n'est pas la première fois qu'un converti ou une convertie me parle comme ça. Il me dit ce type de choses. Il y a beaucoup de racisme. Et moi, je vais vous poser quelques questions. Les jeunes arabo-musulmans qui pensent qu'ils sont arabes et que l'islam est descendu pour eux. Dites-moi, Bilal, il était quoi? Bilal ibn Rabah, il était quoi? Mouaddin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
et qui est au paradis. Bilal est au paradis. Mohammed sallam a entendu marcher au paradis. Il a entendu les pas de ses chaussures au paradis. Bilal est un noir, est un éthiopien, ancien esclave, que Abu Bakr Siddiq a libéré. Donc c'est un con, il s'est converti, il n'est pas arabe, il s'est converti à l'islam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith, Abu Bakr Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana. Abu Bakr est notre Seigneur, notre Sayyid. Le mot Sayyid en arabe, quelque chose a une valeur. Abu Bakr Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana, et il a libéré notre Sayyid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bilal est Sayyid tous les musulmans. Ok. Salman al-Farisi, il est quoi? Il a passé toute sa vie à chercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu plus de 360 ans, dont une grande partie de cette vie à chercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des générations à faire des recherches. C'est un fils d'adorateur de feu. Et en plus, c'est un fils sûrement, d'après l'histoire, c'est un fils de quelqu'un de très très riche, c'est même un prince. Mais qui a laissé tout ça, et l'adoration de feu, et il s'est lancé dans la vie, dans la terre, et puis petit à petit il a rencontré des moines, des générations de moines, qui lui disaient qu'on attend tous l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Salman, parce que les sahaba respectaient beaucoup ce Salman, et aimaient beaucoup son comportement. Et chacun disait, Salman est de ma famille. Salman, chacun était heureux de dire, puisque Salman n'a pas de famille, il n'est pas arabe, chaque compagnon, la majorité des compagnons disaient, Salman est de ma famille. Mohammed sallallahu leur dit, Salman ou minna al al-bayt. Mohammed sallallahu leur répond, il dit, Salman ou minna al al-bayt. Ça veut dire que Salman est de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde les musulmans. Ok, on continue dans les générations de l'islam. Al-Bukhari, il est quoi? Il est arabe, Al-Bukhari. Dis-moi, il est arabe, Al-Bukhari? Ben, s'il est arabe, ok. L'imam muslim, ça, voilà, je vous parle des gens, ok. L'imam muslim, il est quoi? Il est arabe? Non, il n'est pas arabe, ok. L'imam Abu Hanifa, Cheikh al-Azam, le grand chef, le premier des madhab, phénomène, un phénomène. Il est arabe? Ok. Salah ad-Din al-Ayyubi, qui nous a libérés, qui a libéré l'Aqsa, il est arabe? Il est quoi? Ok. Quand les Mogols ont failli manger les musulmans, ont failli détruire l'islam et les musulmans, qui nous a libérés? Qutuz, Zahir Bibars, Qalaoun, le Mamalik. Ils sont arabes ceux-là? Non, ils ne sont pas arabes. Ok. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle d'un amir qui va libérer Constantinople, Istanbul. Beaucoup de fatihines, beaucoup de conquérants, beaucoup de musulmans, beaucoup de leaders musulmans ont tout essayé pour ouvrir Constantinople, ils n'ont pas réussi. Mohammed sallam nous a parlé de quelque chose qui allait arriver au 9e siècle, en disant que quelqu'un va la libérer, donc est-ce que c'est un arabe lui? Non, c'est un turc, Mohammed al-Fatih. Donc je vous ai donné quelques exemples pour vous dire, arrêtons d'être des racistes. Arrêtons de croire que nous sommes quelque chose. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la farqa bayna arabiyyin wa ajamiyyin la bi taqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe que par la taqwa. Et la taqwa, c'est la piété. Et la piété, c'est entre les mains de qui? C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire que les enfants d'un couple constitué d'un musulman d'origine arabe ou d'une musulmane d'origine arabe et d'un français ou belge d'origine autre, mais les musulmans, que leur enfant, c'est fini, sont cuits, ils vont avoir une éducation mauvaise, ça va finir par un divorce, c'est de se mentir à soi-même. 60% des mariages dans des pays de musulmans aujourd'hui, pseudo-musulmans, finissent par le divorce. Résolu maintenant. Ça ne veut rien dire. À partir du moment où il y a la piété, la taqwa, ça peut marcher. Et arrêtez d'être raciste. Et arrêtons d'être racistes. Et donnons le bon exemple. Et encourageons ces gens qui ont fait le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne leur bousillons pas le moral. Aidons-les. Montrons-leur une solidarité. Et soyons fiers d'eux. Et faisons-leur des doigts.
Et sachez que eux reviennent à l'islam mieux que nous, nous qui avons hérité l'islam comme un djellaba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum fa astaghfiruhu innahu kana ghaffar rahima. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. N'oublie pas de propager cette vidéo. Jazakumullahu khairan.